bienvenue à Dans un cinéma près de chez vous. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, toi, Yann? Ça va super bien. On vient d'aller voir un petit film... Sur écran géant? Oui, nous sommes allés voir L'Homme Fourmi. Et la guerre. Bon, The Ant-Man and the Wasp. OK, d'abord. Je partirai pas sur ma diatribe de traduction des noms. Parce que, on sait déjà ton opinion, parce que tu l'as déjà dit précédemment dans d'autres films, dans d'autres enregistrements. Ouais, sûrement. Faudrait que je fasse... une critique juste des noms de super-héros dans les traductions, mais bon. On s'éloigne un petit peu. Oui. Comment t'as trouvé le film? J'ai trouvé le film d'Ant-Man assez divertissant, quoique un peu anecdotique. On nous plonge vraiment dans les impacts que Civil War a pu avoir comme film, parce que Ant-Man qui a participé à cet affrontement. La bataille de gang dans un parking, c'est ça? Ouais, à l'aéroport. Où ouais, sont sept à se battre. Ou est-ce qu'on est très loin du Civil War en bande dessinée? Exact. Puis on fait presque abstraction totale de Infinity War. Ouais, mais c'est pas important, une invasion extraterrestre au-dessus de New York. C'est pas comme si on devrait en parler dans les journaux ou à la télé ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est peut-être le problème de soit le moment de la sortie du film, soit c'est la ligne du temps ou ce qui nous le précise pas trop. J'ai l'impression que l'action principale se déroule quelques mois avant Infinity War. Oui, mais en même temps, ça doit pas être tant que ça. Je veux pas gâcher de scène dans le film, mais il y a un lien qu'on voit à un certain moment donné dans le film. Et je pense que le timing est comme mauvais. Ouais. Par rapport. Mais je pense qu'il y a aussi. Le marketing alentour du film. Oui, parce qu'ils ont vraiment vendu le film autour de. Mais où était Ant-Man and the Wasp pendant Infinity War? Oui, tout à fait. Hein. Donc, tu t'attends à ce que le film te montre pourquoi. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu anecdotique dans l'univers de Marvel. Ben, j'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, c'est vrai. C'est une petite histoire de ce qui se passe dans le gros univers de Marvel. Et c'est pas intentionnel, les jeux de mots. Non, non, pas du tout, pas du tout. On en a pas des tonnes comme ça. J'en ai un petit peu. Mais sérieusement, le film laisse pas un gros impact sur l'univers de Marvel. Ça se concentre alentour de... On doit sauver Janet du Quantum Realm. Ouais, mais à part ça, il y a rien d'autre. Là. C'est vraiment juste ça, le film. Les personnages comme Goliath sont sous-utilisés. Ghost, ouais. J'ai bien aimé. J'ai aimé son aspect visuel avec les effets spéciaux qu'elle avait, mais c'est pas un méchant qui a de l'impact. Là. Ben, avec le background du personnage qu'on découvre dans le film, j'ai pour opinion qu'on aurait dû l'avoir dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. avant de l'avoir dans le film. Oui, elle fit beaucoup plus avec S.H.I.E.L.D. Oui, et ça aurait eu un plus gros impact de l'avoir dans le film après ça. Autant pour la série que pour le film, selon moi. Là, l'impact a été tout petit, minuscule. Comme une fourmi. Fourmi qui utilise très bien dans le film. Oui. Le lien. Le lien, wouh! On utilise les fourmis à merveille. Les fourmis, ils sont des fourmis travailleuses. Ouais, comme une fourmilière, mais géante. Géante, et on construit un laboratoire. Géant. Géant, grâce à des fourmis minuscules. Mais géante. Oui, vous allez comprendre en voyant le film. Sérieusement, j'ai adoré la relation père-fille entre Scott et... j'ai oublié le nom de sa fille, c'est pas grave. Mais elle est adorable. Oui, elle est adorable, même si son rôle n'est pas très important. Pas important, mais c'est son rôle qui fait avancer l'histoire. Malheureusement. Comment ça, malheureusement? Moi, j'en veux plus. Je veux un film juste avec la petite fille, puis Louis, qui raconte l'histoire de la petite fille. Imagine un film de 1h30, parce que je peux pas endurer ça 2h30 de temps. Là. Imagine 1h30 de Louis qui raconte une histoire comme ça. Ouais, mais ça va être une histoire de 3h racontant en 1h30. Oui, tout à fait. Parce qu'à la vitesse qu'il parle, il déboule ça comme ça. Mais ça, là, c'est un moment génial du film quand il raconte son histoire. C'était clair qu'elle en avoir une parce que les gens, quand ils ont vu le premier Ant-Man, ce qu'ils redemandaient, c'était Louis. Louis qui raconte Civil War. Louis qui raconte ci. Louis qui raconte ça. On l'a vu sur Internet, le monde le voulait. Ils l'ont ramené. Ils l'ont fait encore plus. Je veux dire, plus grand. Drôle, plus grand et. Oh, plus grand, plus drôle que dans le premier Ant-Man. Je vous laisse découvrir la scène quand vous allez aller voir le film. Mais moi, j'ai aimé les effets spéciaux, le découpage, oui, il était super bien fait pour les fonds verts, les fonds bleus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sans vous gâcher le film. C'est dur de parler du film sans le gâcher parce que il se passe pas grand-chose.
Non, c'est, parce que qu'est-ce qu'on voit dans les bandes-annonces, c'est encore une fois les scènes d'action, même si les bandes-annonces révèlent pas l'histoire. Le premier film, j'avais vraiment l'impression que les bandes-annonces montraient vraiment tout puis qu'il y avait zéro surprise. Là, il y avait un peu de surprise, quoique les scènes d'action sont montrées dans le film. Donc, on manque un petit peu cette touche émotionnelle, dramatique ou d'adrénaline. Ben, moi, je manquais d'engagement envers les scènes d'action parce que la scène commençait et je faisais « Ah, c'était la scène de la bande-annonce qui s'en vient. » Il y avait un engagement qui n'était pas là. J'avais pas l'effet de surprise pour la scène d'action, mais le scénario m'a relativement surpris. Je m'attendais juste à « On va sauver Janet » et j'ai eu un petit peu plus alentour, mais ça reste sensiblement « On va sauver Janet ». Ouais. Donc, ça, c'est pas tant convaincu, là. J'ai été diverti, mais il manque de quoi. Oh, je suis tout à fait d'accord qu'il manque de quoi dans le film, mais le divertissement était là. C'est un beau petit film popcorn à regarder avec la petite famille, emmener les enfants au cinéma, ils vont être divertis 2 heures de temps, et après ça, ils vont recommencer à crier, à chialer. C'est immanquable. Vous allez comprendre quand vous allez avoir des enfants, pour ceux qui n'en ont pas. Mais film popcorn, avoir au moins une fois au cinéma, selon moi. Ouais, ben pour moi, peut-être plus une journée à rabais comme le mardi ici. Ça coûte moins cher. Peut-être moins de déception pour le prix payé. Je suis d'accord. Et vous pouvez tout à fait passer par-dessus le 3D parce qu'on l'a vu en 2D et c'était superbe en 2D. Ben, c'est en 2D parce que c'est normal, parce que c'est les caméras qui tombent de même, c'est pas de la post-production cheap. Et voilà, la rotoscopie, c'est le démon du cinéma. C'est le mal. C'est le mal. C'est encore pire que les fans de Star Wars. Oh, excusez. Ah, mauvais sujet. Même compagnie, mauvais sujet. Mais en gros, ça fait le tour pas mal de Ant-Man sans vous gâcher le film. Donc, ouais, parce que sinon on va déraper un petit peu trop. Oui, on est parti pour déraper, je le sens. Donc sur ce, je vais vous dire, on se revoit dans un cinéma près de chez vous. Oui, à la prochaine. À la prochaine. Alors, ça fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man? Pas longtemps. C'est arrivé sans prévenir. J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais. Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Salut! Un coéquipier. Docteur Pym! J'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez ouvert le portail quantique, et là, il y a cette espèce de cinglé de fantôme flippant qui traverse les murs, qui a déboulé, et qui vous a piqué votre matos. Et elle veut s'en servir pour dominer le monde, ou je sais pas quoi. Si c'est pas dingue, ça. Qui aurait imaginé qu'un jour, vous feriez appel à nous? Sûrement pas moi. Parce que le cambriolage, chez vous, c'était nous. Si on veut avoir une chance, on aura besoin de vous deux. Ant-Man et la guêpe, ça c'est de l'équipe. Suis-moi. Elle semble plutôt efficace. Non, non. J'attaque par le haut, toi par le bas. J'ai des ailes. Pourquoi j'irai en bas? On est mort! Je peux pas être mort! On n'est pas mort! Qu'est-ce que j'ai loupé? On était tout riquiqué! Hank et moi étions associés sur un projet intitulé Goliath. Votre taille maxi, c'était quoi? Mon record? Je suis monté à 6 mètres. Ah ouais. Et vous? 19 mètres. 19 mètres? Ça y est, vous avez fini de vous comparer la taille? 19.